Coucou Virginie, merci pour ton message. Alors honnêtement, j'ai dévoré ta formation hier soir, je l'ai écoutée en entier et j'ai adoré. Ce que j'aime, c'est déjà que c'est facile à consommer. Tes vidéos, elles sont courtes, donc je trouve ça chouette parce que du coup, ça fait pas peur de les écouter plusieurs fois. Enfin voilà, donc je trouve ça vraiment super. Alors j'ai pas tout retenu parce que comme je te le dis, je l'ai vraiment dévoré. Je n'arrivais pas à m'arrêter. En fait, j'avais envie d'écouter la suite, donc c'était vraiment super chouette. Donc là, vraiment, l'idée maintenant, c'est de réécouter les parties plus posément, voilà, en fonction de mes besoins aussi. Enfin, d'ailleurs, ce que tu dis au début, en fait, dans l'introduction, c'est vraiment ça. Et c'est chouette parce que du coup, tu vois, j'avais une interview ce matin, je viens d'en sortir et j'ai déjà pu appliquer tes premiers conseils. Déjà, j'avais appliqué certains que j'avais entendus sur Instagram pour la préparation de l'interview. Là, c'était plus, je me suis surtout servi pour le positionnement de l'ordinateur. Bon, il se trouve que j'avais tout bien calé, j'avais fait comme tu disais, les uns sous les autres avec mon texte et Zoom. Et en fait, il n'y a rien qui a fonctionné ce matin, donc on n'a pas pu le faire en direct. Et j'ai dû le faire sur mon téléphone, donc voilà, c'était pas le même rendu. Mais c'est bien aussi d'être confronté aux problèmes techniques, ça me permet aussi de voir comment rebondir pour le coup. Et puis, la fille que j'ai interviewée était ancienne journaliste, donc pour le coup, elle était assez à l'aise avec l'exercice. Mais c'est chouette, voilà, vraiment merci, parce que c'est hyper précieux ce que tu partages et j'ai hâte de le prendre encore plus en main pour pouvoir vraiment faire des super belles interviews. Merci beaucoup en tout cas, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.